Mardi 29 janvier 2019, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques dans principales informations qui pourraient le faire essentiel, journal. Direction générale police nationale d'Haïti a dénoncé Zak assassinat qui a fait sous policier au dernier jour ça y est dans le pays. Porte-parole adjoint PNH la Gary Desrosiers quoi gen policier qui t'a impliqué nan assassinat différents policiers sa yo Gary Desrosiers annoncé direction générale PNH la déjà prend disposition pour faire un nettoyage nan corps police la ministre justice ak sécurité publique nan tête collé ak divers acteurs qui a évolué nan secteur justice organisé yon journée travail journée mardi 29 janvier 2019 la sous lutte contre trafic moun nan pays d'Haïti nan occasion an ministre justice ak sécurité publique la Jean Oudi Ali promettre pour mettre fin ak trafic moun nan en Haïti. Direction nationale de l'eau potable et assainissement a envisagé possibilité pour capter, stocker et puis traiter de l'eau la pli ak rivière yo à cause sous l'eau di n'est pas à exploiter en bataille pas permettre les satisfaire besoin population haïtienne. C'est déclaration directeur général d'INEPA Guito Edouard fait mardi 29 janvier 2019 là dans cadre un atelier pour te discuter sous gestion de l'eau dans le pays. Universal Motors a fait un bagage spécial là et c'est yo sale qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, rivé 31 décembre, tout client Universal Motors gen chance pour yon faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou ap gen chance gen yon l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Yon pick-up Frontier, yon l'autre pick-up Frontier ka tombe nan men. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks ap tan nou en 10 pis. Kicks pour Kicks, pick-up Frontier pour pick-up Frontier, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Acte spécial Nissan Décabesse, ça, c'est tout le monde. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouveaux et véritables professionnels de différents domaines d'études. La troisième, messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir, la Florida, Jules Minogue Rouillon, Julie Espérance. Michelov Etienne, dans stage à Copa Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Est-ce que vous dire, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, de Gloria Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs, travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit connaître ses sens. Et c'est par le bien de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'Haïti, Haïti, vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique. Et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 2093. CPJF, la clé de votre réussite. Les sont artistes, faut qu'on ait sauvé les faire clavier.
Bon songe koto soti a ki koto ou vle ale. Bon konnen ki mesaj ou vle fè pase nan mizik ou yo. E pi ki jan ou ka mwen ket fanatik ou. Bon kou konnen vale kreasyon artistik. Si pou mizik mwen mwen konnen ki sa pou mwen fè. Pou mwen ka jwen ou wit sikse. Pou za fè la bank mwen. Mwen pa negosye Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Journée de partage des études sur le secteur eau en Haïti, c'est sous thème sa Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA en tête collée avec Banque mondiale organisé un atelier travail journée mardi 29 janvier 2019 là pour partager connaissances et évaluer avancées qui fait dans gestion de l'eau en Haïti. Dans occasion en directeur général d'INEPA Guito Edouard fait connaître institution a envisagé possibilité pour capter, stocker et puis traiter de l'eau la pluie à rivière à cause sous de l'eau d'une pas à exploiter en bataille pas suffit pour satisfaire besoin population selon Guito Edouard il est nécessaire pour d'une pas exploiter l'autre sous de l'eau s'il voulait respecter engagement pays à te prend ensemble avec différents états membres Nations Unies dans l'année 2015 pour travailler pour tout le monde sous territoire national la gain accès à l'eau potable rivée dans l'année 2030 directeur général d'INEPA Guito Edouard tenant micro Jean-Robert Tosinfort ak Marvin Henry. Effectivement, on connaît que yon nan pi gros partenaire de d'INEPA en ce qui a trait à l'eau potable, construction infrastructure eau potable et assainissement et c'est Banque mondiale. Eh bien, jeudi qui 29 janvier là, nous réunis dans cadre d'un atelier que Banque mondiale et d'INEPA a réalisé sous partage de connaissances, sous réalisation des efforts en dans secteur. Et ou ban occasion pour moi dire que d'INEPA le fait que li dans l'incapacité pour li desservir tout le monde en dans pays à partir de l'eau que l'a exploité en bataille ou bien de l'eau que l'a prend en socio ou est nécessité pour penser à d'autres sources d'approvisionnement en eau potable qui c'est ça n'était capable dit prendre l'eau rivière yo prendre l'eau la pluie capter stocker et puis venir transformer en eau potable et c'est ça qui permet nous respecter ou bien atteindre les objectifs du développement durable pour nous faire en sorte que eh bien, ou à terre, pas là-dedans, d'une part, et d'autre part, accès à de l'eau potable, que dans le milieu rural, que dans la ville, eh bien, capable de devenir une réalité. Donc, c'est dans ce sens-là, donc, nous avons réalisé, avec accompagnement de la Banque mondiale, comme je dis ça, pendant 10 dernières années, et la Banque mondiale accompagnée d'INEPA, eh bien, à hauteur de 100 millions de dollars dans la réalisation d'infrastructures en eau. Mais il y a nécessité, Jean-Président Jovenel Moïse, dit lui, eh bien, il faut que nous diversifions les sources d'approvisionnement en eau. Et nous avons chance côté que nous avons soleil là. Et je suis content que le président t'ait invité à d'INEPA semaine dernière et avec la directrice et technique d'INEPA qui à ma droite là madame et Nadège Augustin côté que li té ba nous instruction pour nous travailler avec baio et bien vers l'option d'utilisation des pompes qui fonctionner avec énergie solaire et bien nous avons en pile expérience de forage que nous construit et puis qui fonctionner avec pompe qui basé sous énergie utilisation de l'énergie solaire. Il y a nécessité avec fournisseurs, entrepreneurs qui construit forage pour nous diversifier, pour nous agrandir l'initiative ça pour nous faire en sorte que eh bien l'enbral capter de l'eau nous pas utiliser gros groupe électrogène côté que on va utiliser gros coût d'exploitation ou bien d'utilisation de ces
matériels ou bien encore de ces équipements électriques en énergie, en fait en carburant et en maintenance. Et avec énergie solaire là qui est à la disposition 24 heures sur 24, a permis nous vraiment nous réaliser d'autres infrastructures en d'un pays. Bon côté parle représentant Banque mondiale en Haïti à Pierre Bonneau fait connaître principal objectif atelier ça c'est pour réfléchir et puis discuter sous gestion de l'eau en Haïti dans l'idée pour identifier zone ak moun qui doit considérer comme priorité dans intervention d'INEPA a bien pour faire sous terrain. Pierre Bonneau c'est représentant Banque mondiale en Haïti qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Non, je pense que ces objectifs sont assez connus. Ils visent à améliorer la qualité de vie et le développement dans les pays les moins avancés. Et notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien arriver à une couverture universelle en service d'eau et d'assainissement pour l'ensemble de la population. Je pense qu'on n'est pas ici dans une histoire de budget. Je pense que vous verrez dans l'objectif de cette journée d'échange et bien de, au-delà des financements qui peuvent être mis par les différents partenaires et par le gouvernement haïtien lui-même, puisque c'est une priorité du gouvernement, l'enjeu est de pouvoir faire des recherches et des analyses qui permettent d'orienter au mieux ces financements pour améliorer leur efficacité et leur impact sur leur terrain. Donc ces études servent principalement à cibler, je dirais, les zones prioritaires, les populations prioritaires, pour pouvoir atteindre de manière séquentielle ces objectifs à l'horizon 2030. Non, nos attentes, ce sont encore une fois, on parle de connaissance. La connaissance, et je pense que le titre de la journée est bien choisi sur ce thème, la connaissance, ça se partage. Les acteurs du secteur sont nombreux, qu'ils soient académiques, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient dans le secteur public, au niveau du régulateur d'INEPA, qu'ils soient dans les différents ministères, ou qu'ils soient citoyens eux-mêmes. Et je pense qu'il est vraiment important de pouvoir se doter, je dirais, d'outils pour comprendre, pour mieux asseoir ces politiques publiques et faire en sorte qu'elles soient efficaces. Ministère Justice et Sécurité publique n'a tête collé avec divers autres secteurs qui impliquaient dans justice organisé une journée réflexion mardi 29 janvier 2019 là dans objectif pour lutter contre trafic moun dans pays là dans occasion ministère Justice et Sécurité publique l'agent Oudi Ali qui fait connaître l'a mobilisé tout acteur dans l'idée pour renforcer capacité pour lutter contre trafic moun rete quoi faut gagner une séance sensibilisation qui fait pour permettre autorité arriver fouin un phénomène ça Jean-Oudi Ali pour mettre fin à trafic moun dans pays d'Haïti. Jean-Oudi Ali c'est ministre justice et sécurité publique là qui était dans micro Jean-Dani Danis avec Marvin Henry. La traite des personnes c'est une infraction. Traite des personnes non nous constater en Haïti je dis pas grand pile cas de poursuite pour question traite des personnes non. Donc, nous avons organisé une journée de réflexion avec des acteurs qui impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. Nous avons avec nous Polyfront, c'est police frontalière. Nous avons avec nous IBS, par exemple, Institut Bien-être Social. Nous avons avec nous des magistrats, doyens, commissaires du gouvernement qu'il a. Nous avons avec nous des acteurs de la société civile, donc GAR qu'il a. Nous avons de partenaires internationaux qu'il a avec nous. En cours, JSSP, USAID, ambassade américaine, Minijus, qui là avec nous, cap débattre question, cap réfléchir avec nous sur question traite des personnes, non, pour nous arriver à des condamnations dans le cadre de lutte contre la traite des personnes. Non. Réflexion, c'est que si pas en pile cas, c'est parce que c'est une infraction nouvelle. Autorité ou pas nécessairement qu'on ait toute sa gaine en traite des personnes. Hein? Donc, son activité de sensibilisation pour permettre autorité ou arriver à des cas de poursuite contre la traite des personnes. C'est vrai, je dis, hein, on a commencé à gagner de signes encourageants dans certaines juridictions du pays, tant que Jarmel,
nous répertorier au moins une dizaine de dossiers qui concernent les traites des personnes. Et même en cas de condamnation, il est vrai que il y a un recours en cassation qui est fait sous décision de justice. Il y a des dossiers qui sont dans le cabinet d'instruction au niveau de Jamel. Au niveau juridiction de Hinche, il y a de poursuites qui sont engagées, un dossier dans le cabinet d'instruction. Au niveau juridiction Fort Liberté, il y a une ordonnance de renvoi qui vaut 5 mois à le juger. Et donc, il y a des signes encourageants, donc on a sensibilisé les acteurs pour permettre de faire travailler plus bien. Là, dans la salle, soit le garder ou après, il y a un acteur de la justice qui est là, ou après, il y a un acteur de la police qui est là. Donc, nous mobiliser pour nous travailler sur la question de la traite des personnes, pour lutter contre la traite des personnes à travers le pays. Éclair Info a continué pour nous dire processus formation commission avec différents blocs cap gain pour travail dans chambre basse la lancé dans l'idée pour mettre sous pied sans perdre temps commission finance chambre député avec diverses autres commissions spéciales pour relancer débat politique yo bon côté député yo selon premier secrétaire chambre député Marie Gladys Saint-Jean lundi qui bail plus détails sous formation nouveau bloc majoritaire chambre basse la qui ta gain environ 65 députés qui sortent dans différents partis politiques et groupes opposants dans le Parlement pour travailler ensemble dans l'idée pour faciliter yo jouer tout bon vrai rôle yo comme moun qui gen mandat pour contrôler tout ça qu'a fait à travers institution l'état yo. Marie Gladys Saint-Jean lundi, c'est premier secrétaire chambre député qui était dans micro Gerlins lui avec Marvin Henry. Semaine dernière vraiment effectivement élection ont été organisées pour bureau, hein? Mais les questions maintenant qu'on a là pour que nous montions commission permanente et commission spéciale. Mais pour monter commission spéciale, premier bagage qui pour faire, il faut qu'on commence par monter et par inscription bloc. Parce que c'est bloc même qui pral et organisé suivant est-ce que un bloc majoritaire, est-ce que y a un bloc qui et gain des indépendants et de monde qui indépendant etc. qu'on a à partir de là pour monter et commission pour constituer commission et permanente et commission spéciale. Donc pour semaine dernière noté et bureau a été siégé pendant et tenté fait 3 séances mais comme la presse a constaté c'est une dans séance qui était réussi parce que c'est à partir de et jeudi on te gain quorum donc une fois que on te constaté quorum eh ben yo te lancé appel et à manifestation pour de monde qui et de bloc qui voulait venir inscrire pour venir inscrire et moi que nous connais mieux que moi gagnent et pas seulement qui t'est manifesté et qui inscrit avec un total de 65 députés donc maintenant il était et à ce que jodi là assurer que gon quorum et puis à ce moment bureau a siégé pour que nous ait fini avec d'une part inscription et bloc yo et une fois que inscription bloc yo fini donc dans menu puisque c'est yon et séance en continuation donc c'est sûr gon menu qui était préparé et dans menu en les questions pour que monter commission des comptes et puis yo monter également commission bicamérale de décharge donc même certain que jodi c'est pral une opportunité pour bureau 1 pour que le reste bloc fin constitué et puis à ce moment pour que nous passer dans et formation et bureau et commission permanente et en même temps et des commissions spéciales que chambre pral gain. Direction générale police nationale d'Haïti a dénoncé zak assassinat kap fèt sou policier yo nan peyi a. Institution police la recense seulement 4 cas policier ki mouri pa bal pou mois janvier 2019 la. Contrairement à information porte-parole adjoint PNH la di, kap sikile ki ta fè kwè gen plus kadav an dan police la. Porte-parole adjoint PNH la Gary Desrosiers ki ta fè kwè gen kèkè policier ki ta semblé gen dwèt yo trampé nan kad assassinat policier sa yo nan sans sa direction générale PNH la déjà pran tout disposition selon Gary Desrosiers pour faire yon nettoyage nan corps PNH la pour ta mettre sous côté tout mauvais grain k'ap fè mauvais ak nan police la. Gary Desrosiers c'est porte-parole adjoint PNH la qui était dans micro Radio Télé Éclair. N'a commencé conférence là pour que nous parler amplement de policiers qui sont victimes
de janvier à date, mais nous avons noté grand pile entité de la place qui travaille dans la question d'Ouamoun et nous développer de très bonnes relations avec eux jusqu'à présent. Nous pas connaît qui mécanisme que ont utilisé pour que ont avancé des chiffres. Nous, au niveau de la police nationale, nous recensé pour mois de janvier, contrairement à le chiffre qui a circulé, 4 policiers tués par balle. Recommandement par été insensible à la situation ça qui a développé. Hier, tu as une réunion que le commandant chef là t'a convoqué, côté que tout IG et DDO t'es là pour que tu es capable de réfléchir justement sur la question ça. Malheureusement, dans quelques cas que nous joignons, il y a quelques policiers qui impliqués là-dedans. Les policiers sont en cavale. L'inspection générale est déjà convoquée. Ils n'ont pas jamais répondu à la convocation de l'inspection générale. Et très prochainement, NAP lancé un avis de recherche derrière eux. Remarquez, à travers toute police du monde, gagnent des policiers ripou qui font partie de institutions policières, notamment en Haïti. Nous sommes capables de dire quelques éléments que nous identifions et à chaque fois la police joue une implication soit dans l'assassinat, soit dans le kidnapping, avec transparence, population toujours informée, inspection générale même tout fait travail par lui, à savoir faire recommandation après enquête pour révoquer les policiers. Toute disposition prend pour épurer pour le moment PNH là, pour nous capables de retirer quelques mauvais graines dans son nom et qui est capable de créer une mauvaise image de la police. Là. La presse, population témoin, est fort malgré les moyens que PNH a gagné pour qu'elle soit capable de faire travail, à savoir sécurité publique et la tranquillité publique. En 2016, il y a 26 policiers qui sont tués par balle. En 2017, il y a 17 policiers qui tués par balle. En 2018, il y a 17 policiers, malheureusement, qui tués par balle. Et pour 2019, là, j'en ai dit tout à l'heure, de janvier à date, nous recensé 4 cas côté que les policiers ont tué par balle. Groupe 9 représentant tout département Haïti ont critiqué dialogue national. Yo di gouvernement République la te organisé mardi 22 janvier passé a sa yo ta qualifié comme un dialogue zamitay ak partisanerie qui pa prend en compte intérêt masse défavorisé a. Nan sens sa, coordonnateur général groupe 9 représentant tout département Haïti yo Frank Joseph Toussaint qui dénoncé comportement autorité dans l'état li fait connait qui pa régler rien pour faciliter te masse défavorisé à aller yon souf mande autorité yo pou pran bon janmezi pou gagnon pi bon dialogue sans exclusion ak discrimination côté tout secteur nan vie nationale la ap kapab chita ensemble réellement pour discuter et puis soti pays a nan crise l'ap konnen dernier jou sa yo. Frank Joseph Toussaint se coordonnateur général groupe 9 représentant tout département yo ki te nan micro Weberson Dorville ak Marvin Henry. Démagogie personnelle ou dialogue national. Pour qui ça? Nous remarquons que le gouvernement République là lancé une question de dialogue national. Côté que nous-mêmes, étant que citoyens organisés dans la société, nous comprenons bien qui ça veut dire dialogue national. Nous voyons que le gouvernement a fait une démarche personnelle avec une série de petits groupes mafia qui ont organisé Boueta Fia ensemble pour continuer gagoter l'argent pays. Nous même en danger neuf. Nous dit président spécialement, li pas capable, li pas gen capacité pour faire dialogue national dans pays. Pour qui ça? Là nous remarqué président depuis l'elle prend pouvoir, li poko jam di un mot qui vérité. Et journée aujourd'hui, nous pensons que
pour président t'a lancé un dialogue national côté que population t'a retrouvé la donne qui pour t'a retiré Haïti côté lié a, eh bien fuck président t'a converti en Jean-Jacques Dessalines. N'a cité quelques citoyens qui pas haïtiens mais qui a géré pays yo, qui comprennent ça que le pays tant que Hugo Chavez qui mourit. Et nous prenons exemple tout de Vladimir Poutine. Donc, qui ça nous cite nos citoyens, ça yo, c'est parce que nous, ouais, il y a des hommes dans le monde là, qui ont dirigé le pays, yo, qui n'ont pas accepté la question des sous-hommes ou bien l'autre pays dans la communauté internationale là, vient de dicter. Nous considérons le dialogue national ça comme un bouillon réchauffé, côté que il y a une série de pays qui mettaient ensemble, qui baillent le gouvernement république là, yon bagay pour le faire population valer. On dit président, c'est bien compté, mal calculé. Je jodia, Genève choisi, dit jeunesse haïtienne, non, pour que vous preniez destin en main, pour une responsabilité, yo, pour que nous formions ça, nous relayons l'autre classe politique jeune en dans pays, pour que nous réfléchissions ensemble pour nous mener pays dans l'autre port. Président Sénat haïtien Karl Murat Cantave réagit jounen mardi 29 janvier 2019 la sous carnaval national la kap gen pour réaliser dans ville Gonaïves soti 3 pour arriver 5 mars kap vini la. Sénateur la Tibonite lan qui fait connaître toute disposition déjà prend pour faciliter bon déroulement manifestation culturelle ça déclaré c'est un espace populaire côté toute couche tout secteur tout monde capable participer dans sens ça Karl Murat Cantave mandé pour pas gagne aucun leader politique ak boycottage pour bloquer bon déroulement carnaval 2019 là dans ville Gonaïve. Karl Murat Cantave c'est président sénat haïtien qui était dans micro Garlins li ak Marvin Henry. Je dis à li clair après on assise après on rencontre nous sommes bien avec ministre culture là li clair que le carnaval aura national aura lieu au Gonaïve. Le siège du carnaval national, je répète, c'est Gonaïves. Gonaïves sera le théâtre du carnaval national. Et dans le carnaval, ça qui va le faire là, nous chita sous préparatif avec le ministre là, au niveau de Gonaïves et pourquoi pas, en fait, au niveau national, qui sa chaque côté qui joué pour qu'il organise le carnaval. Yo. Mais surtout, nous focaliser, non? Sur le carnaval national dont le siège sera au Gonaïves. Et nous voulons profiter de l'occasion pour nous dire que le carnaval ça qu'a fait Gonaïves là pas d'exclusion la donne. Carnaval qui va faire Gonaïves là son carnaval d'inclusion que lié. Quel que soit monna qui doit venir participer dans carnaval là, quel que soit jazz là qui doit venir participer dans le carnaval là. Carnaval là, il n'y a pas de couleur politique. Son carnaval sans couleur politique, je répète, sans couleur politique. Son carnaval côté, quel que soit chapelle mouna, quel que soit idéologie mouna, quel que soit couleur politique mouna, il doit venir évoluer sans que sauter au niveau de Gonaïves, nos chita avec magistrat, avec les autres autorités, n'est-ce pas? Au niveau de Gonaïves, pourquoi pas, et au niveau national, pour que nous offrions un climat. Je veux dire, l'important pour nous faire précision, ça. Parce que il y a des gens qui croient que le carnaval Gonaïves là, son carnaval politique là, bien. Tout courant qu'il doit exprimer, tout type de chanter qu'il doit chanter dans le carnaval. Et je veux ça pour le clair pour tout le monde. Moi, je voulais ajouter que, au niveau de Gonaïves, il y a un peu de jazz qui a participé. Il y a près de 12 ou 13 jazz qui a participé, n'est-ce pas, jazz Lidio, et il y a des jazz locaux qui ont participé dans le cours, deux jazz au niveau de Saint-Marc, il y a des jazz au niveau de Gaumont, il y a des jazz au niveau de Mamelade, il y a des jazz au niveau de Gonaïves, au niveau local qui ont participé dans le carnaval. Là. Et le carnaval, là, comme titre l'a dit, On Chita Palé. C'est ça le titre du carnaval. On Chita Palé. Donc, titre là, il y a un rapport avec le dialogue. Il y a un pays à sauver. D'ailleurs, le carnaval, c'est un moment d'unité que pour tout le monde mettait au sentiment politique de côté,
pour tout mettre haine de côté, tout pour mettre rancune de côté, tout pour mettre inimitié de côté, pour que ensemble, comme des frères, comme des Haïtiens, nous évoluer ensemble pour que nous offrir un spectacle de qualité, non seulement au pays, mais à l'international. Nous dit que Chiré Pitla a balgon trêve pendant le carnaval. Chiré Pitla, nous mettons de côté pendant le carnaval. Pour que le carnaval là, tout le monde, kaya ya koyo, correctement à la grammaire française, sans problème, pour que tant que frère à soeur, main en main, sans couteau, sans piquois, sans âme, sans ouzi, sans revolver, tout le monde se sentit à l'aise et nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires de concert avec les autorités nationales et les autorités locales pour que le carnaval arrive là, tout le monde qui a évolué la donne correctement sans problème. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, n'a pas rappelé au quelques points qui tape dominé actualité. Direction générale police nationale d'Haïti a dénoncé Zak assassinat qu'a fait sous policier au dernier jour ça yo dans pays. Porte-parole adjoint PNH la Gary Desrosiers quoi gain policier qui t'a impliqué dans assassinat différents policiers ça yo. Gary Desrosiers annoncé Direction générale PNH la déjà prend disposition pour faire un nettoyage dans corps police la. Ministre justice et sécurité publique na tête collé avec divers acteurs qui a évolué dans secteur justice organisé une journée travail journée mardi 29 janvier 2019 là sous lutte contre trafic moun dans pays d'Haïti dans occasion en ministre justice et sécurité publique l'agent Oudi Ali promettre pour mettre fin à trafic moun en Haïti. Direction nationale de l'eau potable et assainissement a envisagé possibilité pour capter, stocker et puis traiter de l'eau la pli ak rivière yo à cause sous l'eau di n'est pas à exploiter en bataille pas permettre les satisfaire besoin population haïtienne. C'est déclaration directeur général di n'est pas Guito Edouard fait mardi 29 janvier 2019 là dans cadre atelier pour te discuter sous gestion de l'eau dans le pays. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité te accordé ak journal là. Nan mi kwa pou te présenter au journal ça Darline François, rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.